Bonjour, je me présente Pascal Borel, chef du restaurant Le Fana à Bagnoul-sur-Mer. Nous avons préparé aujourd'hui un kromeski de champignons avec un soufflé à la truffe sur une brunoise de cèpe. Cette recette sera accompagnée d'un lirac domaine Babi. L'appellation lirac est un cru méridional des Côtes-du-Rhône situé dans le département du Gard. Dans la région, c'est le seul cru avec vaqueras à produire les trois couleurs, rouge, rosé et blanc. En rouge, les lirac exhalent des arômes de fruits noirs, de garrigues et d'épices. Équilibrés, ils mêlent en bouche une belle puissance et une rondeur caractéristique. Leur potentiel de vieillissement est important. Donc pour réaliser cette recette, nous avons besoin d'un oignon, 30 g de beurre, 3 beaux cèpes, de la truffe. Pour la réalisation des kromeski, du beurre, pommade, de la chapelure, de la farine, des œufs, du parmesan, de la poudre de cèpe et de la crème liquide. Et bien sûr, l'assaisonnement poivre du moulin. Donc nous allons éplucher l'oignon. Pour cette recette, j'utilise un oignon doux des Cévennes que l'on va préparer en brunoise. Nous allons préparer les cèpes. Également en brunoise. Donc on va commencer par la cuisson de la duxelle. Nous allons mettre le beurre, oignon. On laisse un petit peu suer. On va mettre les cèpes. Ralentir le feu, assaisonner sel et poivre du moulin. On va laisser compoter un petit peu notre duxelle de cèpe. Donc on va préparer une duxelle un petit peu avec un petit peu de coloration. Voilà, et on va laisser reposer. Donc on va démarrer les kromeski. Pour la recette, il faut prendre des moules demi-sphères que l'on va garnir de beurre pommade. Que l'on va laisser durcir au congélateur. Voilà, donc nos demi-sphères sont prises au congélateur. Nous allons les assembler avec un tout petit peu de beurre pommade afin de réaliser des petites sphères de beurre. Voilà, que l'on va remettre aussi au congélateur. On va faire la panure de champignons. Nous allons prendre la chapelure, la poudre de cèpe et le parmesan. Voilà, nous avons une chapelure qui est parfumée au cèpe avec un petit peu de parmesan. Et nous allons procéder à la panure des kromeski. Là, nous allons prendre nos sphères qui sont congelées. Nous allons procéder donc à la panure.
du cromeski. Et ça, deux fois. Voilà, pour obtenir donc le cromeski aux champignons, que l'on va remettre aussi au congélateur jusqu'au moment de préparer la cuisson du cromeski. Parce qu'il faut qu'il soit congelé avant qu'on le mette dans le bain de friture. Donc on va faire le procéder à la recette du soufflé à la truffe. Donc on verse la crème liquide, on assaisonne, sel, poivre, truffe râpée. Et on va faire infuser sur le feu. Dès que ça va commencer à chauffer, on va légèrement épaissir avec 2 g de gomme de xanthane. Oh, il y a un petit peu de cuisson. Hein. Mais ça va aller vite parce que ça y est, c'est presque terminé là. Ça commence à épaissir. On a l'appareil à la truffe. On va mettre la mousse dans le siphon. On filtre la préparation dans le siphon avec une cartouche de gaz. On maintient au bain-marie jusqu'au moment d'envoyer. On va commencer la cuisson des cromeskis dans un bain d'huile à 160 degrés. Donc on vérifie que la coloration soit homogène. On va laisser reposer 2-3 minutes. Donc on va commencer le dressage de l'assiette. Nous allons mettre la duxelle de cèpe au fond de l'assiette. Nous allons déposer un cromeski. On va procéder à l'ouverture de la coque. Donc on se retrouve avec une coque parfumée aux champignons qui va nous servir de contenant pour mettre l'œuf, jaune d'œuf et souffler la truffe dessus. Nous allons utiliser un jaune d'œuf à l'intérieur, notre soufflé à la truffe, et pour finir, un petit peu de râpé de truffe sur le soufflé et un petit peu en répartition dans l'assiette. Une goutte de sauce soja réduite. Donc voici le plat. Cromeski aux champignons, duxelles aux cèpes, soufflé à la truffe. La famille Mabi se transmet le domaine de génération en génération et le fait évoluer à travers les personnalités qui l'interprètent et l'enrichissent. Un savoir-faire, une originalité, un terroir exceptionnel travaillé de manière respectueuse, leurs vins sont recommandés dans la plupart des guides spécialisés. Ces notes d'épices et de truffes, ajoutées à sa belle fraîcheur, s'associeront parfaitement avec le cromeski aux champignons, duxelles de cèpe et soufflé à la truffe.
Donc il a des arômes très torréfiés, des parfums de truffes, une belle robe élégante. Il a une couleur franche. Et c'est un vin qui est très fruité, très agréable au palais.